Allez, 3, 2, 1, top. 1 heure plus 4 tours. 1 heure plus 4 tours. Voilà, donc je vais pardonner les catégories de féminine, si vous êtes sur la ligne. Mesdames, venez devant, s'il vous plaît. Top! Le départ a été donné donc, de cette première course par le vice-président du Conseil culturel, Jean-Pierre. Merci à toi, merci. Hey Bernard. Trois, donc, en ce qui concerne, et ça va être l'arrivée, donc, des quatre derrière, ici, donc, vous voyez, ça, oula. Et de loin, hein, il fallait faire ça également, pour aller chercher cette victoire, également, donc, Florence. Qui s'impose. On retrouve donc ici les deux hommes de tête, le motard également que l'on salue, que l'on remercie. On retrouve nos deux hommes de tête. Dernier tour, le dernier tour. Allez, les encouragements ici donc pour les deux hommes de tête qui étaient devant. Merci à toi. Allez, l'arrivée. Regardez ça. Ouais, une très très belle image. Voilà, je vais m'avancer quelque peu également ici pour les accueillir. Voilà une belle image. Ah, il faut un vainqueur ici sur la ligne. Il faut un vainqueur sur la ligne. Il faut un vainqueur sur la ligne. Voilà, moi je l'ai, mais je dis rien. Hein. Donc, de loin ici avec notamment les couleurs du club organisateur. Le Vélo Club d'Aurillac en Centrie, on peut l'applaudir très très fort. Voilà Richard Tissandier qui prend une belle quatrième place. 3, 2, 1. Voilà, c'est parti pour les premières, les deuxièmes catégories sur la ligne, s'il vous plaît. Deux, un, partout. Merci beaucoup à vous, merci, merci beaucoup à tous. Voilà, donc la
Allez, Alexis. Allez, allez. Dernier tour pour l'homme de tête, dernier tour. À très belle allure sur le vélo, voilà, il sera également le 12 à Saint-Pompon en Dordogne. C'est soit une attaque dans le dernier tour, ou alors bien sûr un sprint ici dans cette montée finale. On va donc accueillir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, comme il se voit ici, les coureurs. Voilà, tout le monde en termine, bien sûr. La victoire, une nouvelle victoire à son palmarès pour Alexis Tarlou, de côté argentin. Hein? Ici, on va accueillir, donc oui, c'est bien ce que je pensais, donc des attaques, dans le dernier tour, à faveur ici de cette montée, on retrouve Mathis Robisson de Tulle Cyclisme Compétition, donc deuxième, et on va accueillir également ici celui qui prend une belle troisième place également, voilà, qui vient de franchir la ligne d'arrivée, Quentin Davidou. De Brive Aglo Cyclisme. On va s'intéresser, attention derrière, pour donc le sprint. Ici, je vais couper la sonorisation pour les pleins d'honneur.